Tout des mars à midi 13 janvier prochain à Kinshasa avec les ateliers des danseurs et chorégraphes congolais. La compagnie des danses Jacques Banayanga se prépare pour la tenue de la 13e édition de son festival des danses dénommé Miabe qui veut dire « Je vous invite à danser ». Ce festival va réunir les jeunes danseurs et chorégraphes congolais venus de toutes les contrées du pays et va également connaître la participation des programmateurs internationaux des continents d'Afrique, Europe, Amérique et Asie. À en croire Jacques Banayanga, initiateur et directeur du dit festival, ces activités se tiennent en marge de la Journée internationale de la danse célébrée le 29 avril de chaque année. L'idée de mettre le festival Miabe, c'était l'idée depuis 2011. Et comme aussi au Congo, les gens ne savaient pas qu'il y a la Journée internationale de la danse. Quand même, moi, j'avais trouvé la Journée internationale de la danse dans d'autres pays. Le moment que j'avais rentré, j'ai dit non, mais je vais mettre un événement ici au Congo que ça parle de la Journée internationale de la danse. C'est ça que le festival Miabe, ça passe tout autour de la Journée internationale de la danse. Sous la thématique écriture et dialogue scénique pour le développement de la danse contemporaine, Jacques Banayanga, dit l'homme de Kinshasa, milite non seulement pour la promotion de la culture congolaise, mais aussi pour positionner la danse dans la catégorie des métiers de rémunération en art du Congo. Bon, étant qu'artiste, danseur chorégraphe, j'ai participé dans différents festivals de danse partout. Pour le moment, je suis très content. J'ai déjà fait 4 continents d'aller présenter différents spectacles, différents projets avec la compagnie Jacques Banayanga. Et c'est ça que je peux vous dire, mais je suis très content de là, de moi que je raconte les gens. Les mêmes personnes là, s'il y a les moyens, j'invite aussi d'autres personnes ici, les programmateurs, pour venir regarder le travail des différentes compagnies de danse de mon pays. Après 4 mois d'atelier pour cette énième édition, comme pour le précédent, il y aura restitution à des jeunes danseurs et chorégraphes en formation pour ne retenir que ceux qui vont se produire au cours des cérémonies proprement dites du festival qui se tiendront du 15 au 29 avril prochain. Selon le calendrier de ces festivals, les artistes retenus seront accompagnés par la compagnie des danses Banayanga pendant une durée de 3 ans pour participer aux éditions prochaines. C'est après sa dernière tournée en Afrique de l'Ouest, principalement au Togo, que le chorégraphe et danseur congolais est retourné dans son pays pour le préparatif de son festival.